Et on poursuit avec le monde 8. J'étais pas mal avec Gun Gun, on va voir ce que ça donne. On verra bien. Il va falloir changer de personnage après. Monde 8, on est dans l'espace, je crois avoir lu délire spatial, c'est ça? Ouais, délire spatial. Il y a combien de niveaux? Pareil, 8, c'est un niveau bonus et un boss. C'est parti. C'est quoi ce niveau? Ok. Droit. Oh punaise! C'est les montagnes russes. La sortie, elle est où? Elle est là-haut, là-bas? Je peux pas sauter là? Si, y a moyen. Hein. Y a moyen de skipper là. Parce que bon. Ah ouais, je vais skipper. Ça, je le passe pas, ça. Oh non, punaise, y'avait une flèche. Y'avait une flèche. Je skip au bon endroit. Et la flèche va me permettre de monter. Donc, ça veut dire que. Je vais passer par là. Ouais, non, le machin là-bas, je le passe pas. Je vais sauter là. Stop, on ralentit. On ralentit. Et là, on monte. Et voilà. Et là, on monte. Et voilà. Et là, c'est la merde. Ok. Bon, il y avait quelque chose d'intéressant comme ça. Il y a quelque chose d'intéressant à faire. Ouais, non, le premier passage, le... Sérieusement, comment on le passe? Alors attendez, on va tenter quand même en y allant tranquillement. Bah non, je passe pas. Et c'est que le niveau 1 quoi. Du monde 8 bien sûr. Si vous arrivez par là. Oh! J'ai attrapé une vie. Et tout droit. Tout droit. Tout droit. Tout droit et c'est passé. Allez, niveau suivant. Niveau 2. Qu'est-ce que c'est? Je peux aller au-dessus. Ok. D'accord. Je crois que je l'ai skippé aussi sans trop de volonté celui-là. Bah allez, niveau 2 c'est fait, écoutez. Bon. Niveau 3. Oh punaise! Alors ouais, bon alors ça c'est pas skippable. C'est pas skippable le dauphin. C'était quoi? C'était skipper ou skippy le dauphin? Je sais plus. Est-ce que c'était un dauphin déjà? C'est pas un kangourou plutôt? Non, c'était un kangourou. Hein. Je veux monter là. Oh, mais il y a des totems et tout. Hop là. C'est pas par là, c'est de l'autre côté. Oui, parce que le dauphin, c'était Flipper. Est-ce qu'il y a qu'un chemin? Ok, je pense qu'il y a qu'un seul chemin. La petite vie. Et il a du mal à monter, hein. Sur la gauche, allez! Allez! Ah, je décasse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je suis arrivé à l'avant-dernier étage. Mais c'est parce que j'ai trop traîné. Alors attendez, comment il est mis le niveau? Voir le niveau. Ce sera plus simple. Je commence ici. Donc, je vais au maximum tout droit. Je prends la plateforme, j'avance, je redescends, tout droit, je remonte, tout droit, je remonte, tout droit, je ne prends pas la plateforme, je monte, là il faut redescendre, remonter, monter, tourner à droite. Faut aller super vite en fait. Oh okay.
Eh bien, on va aller super vite. Une minute. Faut faire moins de 10 secondes par plateforme. Bon, vous jouez pas ça. Je crois que c'est pas le bon personnage. Là, faut descendre. Là. Là, là, faut monter. Oh là. Je suis déjà à la moitié du temps, quoi. Là, on monte. Oh, punaise. Ouais, c'est pas le bon personnage du tout. Faut que je change de personnage. Continuer. Non, quitter plutôt. On change de personnage de suite. On n'est pas du tout sur le bon personnage. Du coup, qui on va prendre? Il est trop lent, lui. Mais il me faut quand même du poids. Il saute pas très haut. On va prendre le personnage de base. Hein. Je pense que c'est pas mal. Là. Niveau 3 de l'espace. Et là, ça devrait aller un peu plus vite. Ah oui, déjà, on va plus vite. Par contre, faudra pas que je me plante après, quoi. Allez. Ok, d'accord, le totem. J'ai déjà perdu du temps. Le personnage Gongon me permettait de casser le totem. Lui, il se prend le totem. Là, c'est permis. Il y a les barrières. Il y a la moitié du temps. J'ai pas fait la moitié du chemin. On trace. Là, faut monter. Et là, pas le droit à l'erreur. On saute. On saute. C'est tout droit là. Là, fallait pas que je descende. Ok. Là, c'est à. C'est à droite. À gauche. À gauche. Ici. Là, faut descendre. Là, on descend. Mais on descend peut-être pas si bas par contre. Oh là, faut aller méga vite. Méga vite sans faire d'erreur. Stop. J'avais dit stop en fait. J'ai dit stop. On monte ici. Hop là, on passe. Ensuite ici on descend. Stop. Hop là. À droite. À droite. Le totem qui me gêne. Objectivement, le niveau est intéressant. J'aime bien ce genre de labyrinthe. Ok. Stop. Stop, non, c'est tout droit. J'ai un moment d'hésitation. Je viens de perdre 5 secondes, je suppose. Oh, ok, on monte. Là, c'est où? Là, c'est où? Punaise, c'est où? C'est de l'autre côté. Et oui, c'était descendre pour remonter. Non! Oh là là. Le moment d'hésitation plus le totem, j'ai perdu mes 10 secondes que j'avais besoin. Allez, on remonte. Celui-là, je vois pas comment est-ce qu'on peut le skipper. Oh là! Là, il faut descendre. À droite. On remonte. En vrai, là, le problème, c'est le temps. C'est juste le temps. Faut monter. Droit, non, on redescend là, c'est ça. Non, tout droit. Là, à gauche. Pour redescendre. Non! C'était là! C'était là, punaise, c'était là, j'étais bon.
J'étais bon. Ok. Ne pas perdre de temps sur le totem. Hop, on descend. Oula, wow, wow, bon ça va, il y avait les protections. Après, il va falloir redescendre. Non, pas ici, c'est après. Et punaise! Totem! Stop, doucement. Lui, il m'embête. Je passe. Sauter. Stop. Là, faut redescendre. 15 secondes. Stop. Non. J'y suis, hein. J'y suis, hein. C'est juste que sur la fin, je suis trop lent et je me prends les totems. Mais sinon, j'y suis. Non, fallait pas descendre, c'est ça. Et voilà, et là je perds 5 secondes parce que je me souviens plus du chemin. C'est pas, c'est juste 4 fois le même chemin que je prends, mais c'est pas grave. Oh là là. Oh punaise, avec un grand saut, ça peut passer. Et après, pour monter. 2, 1, et non! Je suis arrivé sur l'étage final et par contre j'ai cru voir 5 ou 6 totems là. Ah non, c'est pas 5 ou 6 totems, c'est une dizaine. Ils ont fumé quoi, mais c'est déjà assez compliqué comme ça et vous mettez des totems sur la fin, vous êtes sérieux? Il n'y a pas un mode ultra facile histoire que je puisse jouer correctement? Enfin correctement non, mais de manière plus détendue. Il faut descendre là, non? Ah non, ça peut. C'est pas mal ça. Ok. Doucement. Non! Bon, il manquait du temps de toute façon, mais c'était intéressant comment j'ai fait le parcours. On passe là. Ça m'a fait gagner 2 secondes que je vais vite reperdre, je pense. Genre voilà, là je les perds ici. Là faut monter. Faut pas redescendre de suite. Là c'est tout droit. Là, sur la. Ici. Je voudrais pas que je prenne un autre personnage qui aille plus vite mais qui a en même temps du poids. Bon ok, c'est mort. Là je vais faire du temps ici. Pour le rattraper, ça va être compliqué. À moins de faire ça. Oh punaise, ça passe pas. Ready, go.
Mais surtout, le niveau n'est pas compliqué en soi, c'est juste le temps qui pose problème, quoi. D'enlever le timer, le niveau, prend mon temps, j'observe. Bon, après, j'aurais traîné, j'aurais récupéré toutes les bananes s'il n'y avait pas, le chrono. Oh là, oh là, oh là. Secondes, ouais, c'est mort. Bon, bah, de toute façon, je tombe. Je peux passer la passerelle, oui. Yeah, yeah. 30 secondes pour arriver au bout, vous êtes sérieux? Sachant qu'il faut que je redescende après. Rien skip dans ce niveau. Rien du tout. Là en fait il faut que je fasse un saut pour esquiver cette passerelle. Cette passerelle est facile à esquiver. Là, saut, je gagne peut-être 0,2 secondes. Là, saut, saut, saut. Je vais peut-être changer de perso, hein. Mais c'est pas possible. Non, on change de personnage. Réessayer le défi de médaille champion, c'est quoi ça? Les records pour ce monde seront réinitialisés. Ah non, 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 non. Alors, ah mais il a quand même 4 en poids. 2 en saut, 3 en vitesse. Ils ont tous 3 vies, c'est pas intéressant, pourquoi ils me mettent vie? Toi t'as pas de vitesse, t'as pas de saut, mais t'as du poids. Le truc avec toi c'est que tu vas pas assez vite et que tu sautes trop loin.
Non, non, je voulais pas la choisir. J'ai juste fait le clic en me redressant. Ouais, mais toi, t'as du poids en moins, quoi. Alors, toi, c'est mort. Toi, t'as plus de vitesse, tu sautes pas trop. En vrai, y a pas tellement besoin de sauter, là. Allez, je prends l'espèce de professeur singe. On va voir ce que ça donne, hein. Il a une grande boule quand même. J'ai l'impression qu'il a une bonne vitesse. Je n'appuie pas sur le saut pour l'instant, je ne préfère pas. Là je saute. Ah, il casse les totems. Ça c'est bien. Voilà, il n'a pas cassé celui-là par contre. Là, c'est sur là. Ici. Wow, non, 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 tout droit, tout droit. Vingt secondes, allez. On n'est jamais allé aussi loin, je pense. Je ne serais pas raté. Je vais peut-être aller à la moitié de la suite de totem. Ça a l'air d'être intéressant d'avoir pris ce personnage. Et il manque 5 secondes sur la fin. Voilà. 5 secondes que je perds ici. Allez. Ouais, il a du poids. Il a plus de poids que le personnage d'avant. Punaise. Peut-être pu faire un saut là, je pense. Non. Remonte. Ça passe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Non, j'y étais. Ah, oh, j'y étais, c'était pas mal. C'est juste le truc. Comment je peux passer? Ah, oh, j'y étais, quoi. J'ai perdu pas mal de temps. Je pense que en étant plus précis dans certains mouvements, ça peut le faire. Genre comme ça. Hop là. Là. Tac. Doucement. On passe là. Petit saut. Voilà. Petit saut. On redescend. Stop. Stop.
Non. Bon. J'avais 4 secondes de plus quand je suis monté sur la dernière passerelle par rapport au trail d'avant. C'est intéressant. Voilà, je perds du temps là. Remonte. Hop là. Tout droit. Hein. Ouais, c'est à 4 secondes. C'est pas mal. Non, punaise! Faut vraiment que j'arrive à 14 secondes sur la fin, là, sur la dernière passerelle. Faut qu'il me reste 14 secondes. Non, c'était le dernier totem. C'était le dernier totem. Oh. Oula. Calme. Pourquoi j'ai pas sauté? Il va manquer des secondes. Là.
être mal parti. Oh punaise, je suis allé trop loin. La première fois je meurs comme ça quand même. Rebond en arrière. Oh là, il me manque 2 secondes, ça y est, je perds du temps. Top. Oh mon dieu, putain de singe. Non, j'étais pas mal là. J'étais pas mal. C'est le premier totem qui me pose problème. C'est vraiment le premier totem, j'ai juste besoin de me positionner.
J'arrive plus. Les mouvements ne sont plus fluides. N'y arrive plus. Ah, il manque. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais de l'autre côté. Ready? Go! Je voulais le casser parce qu'il me dérange et j'y arrive pas. J'ai fait n'importe quoi sur le trajet, n'importe quoi. T'es sérieux? Totem quoi. Mais oui, Uriep. Oh, punaise. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés mettre 10 totems d'affilée sur la fin, quoi. Ça n'a aucune logique, aucun sens. C'est juste pour faire chier le monde, hein, tout simplement.
J'en ai marre. Oh, mais cette fin. C'est un totem qui me pose problème, quoi. Un seul. Le reste, je peux tenter de faire quelque chose. Je vais reprendre Gun, comment il s'appelle? Gun, je crois. Je vais le reprendre, on va voir comment ça passe. Quoi. Maintenant que le trajet il est connu par cœur. Ne bouge pas, fichu singe. Voilà. Comment tu veux que je me rattrape sur ça, quoi? J'arrive encore à arriver à 10 secondes ici. Donc je vais passer par là sur le côté. C'est passé. En perdant du temps, c'est passé. C'est une blague. Bon. Ok, tant mieux, ça me rassure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le départ, il est ici. Les flèches elles sont piégeuses. Celle-là je la prends, celle-là je la prends, oui. Tout droit ici. Ne pas prendre la flèche. Ah dans quel sens hein? Après faut les prendre. Après celle-là faut pas la prendre. En fait faut en prendre aucune des trois là. Et prendre la dernière. Alors attends, on récapépète. Je peux prendre celle du début, c'est pas grave, je me rattrape après. Je prends pour sauter sur la grande plateforme verte. Ok. Ensuite, j'esquive les flèches suivantes. Puis, je prends celle de la pente. Je poursuis sur trois angles. Sur deux angles, pas trois. Ouais, si, trois encore, ça passe. Trois angles. J'esquive trois flèches et je prends la dernière. D'accord. Sur le principe, ça va. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Que là, ça va. Ça, je prends pas. Ça, je prends. Ouais, mais pas si vite. Je prends, mais pas si vite. Oui, je continue. On va l'esquiver. Ça, celle-là, ça me dérange pas. Vas-y. Hop. Ça, je prends pas. Ça, je prends pas. Celle-là, j'ai pas envie. Celle-là, j'ai pas envie. Celle-là, oui. Stop! Oh! Ah, il y a un petit rebond sympa sur la fin, là.
On peut skipper des trucs, mais on va éviter. On n'est pas sur un niveau où il y a beaucoup d'espace pour revenir. Ça, je prends. Hop, ralentis, j'ai dit je ralentis. En plus, ils mettent des totems, ils servent à rien. Je prends pas. J'ai pas envie de la prendre. Ça, je prends. Stop. Oh, mais y a pas de. Il n'y a pas de protection après. Ah, c'est vicieux, il n'y a pas de protection. Parce que ça, c'est une barrière. Mais il y a un endroit où il n'y en a plus. Ah, c'est vicieux. Ça, je prends. Stop, on ralentit. Je prends pas non plus. Vas-y, trace. Stop. Eh ouais, il n'y a pas de... Stop, alors attends, 2 secondes. S'il n'y a pas de protection... Au rez-de-chaussée, il y a des protections partout. Ensuite, ça rebondit. Attendez, il est où là? Il est où le départ? Il est là. Ensuite, donc on rebondit là. Il y a des protections, barrières. À partir de la grande rampe... Pour ralentir de suite, en fait. Pour ralentir de suite, ne pas prendre. Ouais, faut pas les prendre, les boosts. Faut tous les esquiver. Parce qu'après, il n'y a plus du tout de protection. Là non plus. Et sur la fin, là... Il n'y en a pas non plus. Ok. Après de la grande rampe, il faut prendre aucun boost. Ça c'est un là, c'est pas gênant. Ça c'est pas gênant. Ça c'est déjà un peu. Mais c'est bon, ça passe. 1, 2, 1. Stop. Ok. Ok. Non. Ok. Oh punaise, faut pas le prendre. Faut pas prendre le dernier non plus. Bon, ça je m'en fous. C'est pas très grave. Là je le prends. Mais je ralentis dessus. Ça je prends pas. Stop. Je voulais pas le prendre et je crois que la barre rouge sur le côté a légèrement de relief et du coup j'ai eu un petit rebond qui m'a pas aidé. Ouais, il y a du relief. Okay. J'en prenne aucun. Un. Voilà. J'ai dit voilà. Voilà, c'est niveau terminé. Allez, on a fait la moitié de l'espace là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un niveau bonus. Allez, une vie supplémentaire.
qu'on va vite perdre. Ok. Niveau 5. Oh là là. Ready? Je peux voir le niveau s'il vous plaît? Les cercles rouges me dérangent. Je comprends pas s'il y a une utilité ou pas. Je vais dire que non. Il y a un saut là, c'est ça? Ah, il y a un petit saut à faire. Ouais, il y a du dénivelé. Faut juste aller tout droit et être prudent. Voilà. Donc ne pas aller vite. Ah, mais faut pas aller trop lentement non plus parce que le temps s'écoule. Panique. Oh là là, le petit bon. Non! Oh là là. Faut pas que je me cogne en fait. J'arrive où? Attendez, j'arrive juste où exactement? Voir le niveau. Je suis arrivé où? Je suis passé là. Je suis descendu. Et je me suis cogné. Attends, tac tac, ça je l'ai fait. Je me suis cogné ici. Et après, c'est que de la descente. Ouais, ok, j'étais sur la fin. Par contre, il aurait pu mettre la boule directement dans l'axe. Allez, panique, ça passe pas. Oh, dommage. Dommage. Ouais, bon, là, j'ai fait n'importe quoi dès le départ. J'ai raté la marche. Ok, j'ai cru que sur la fin j'allais tomber. Allez, niveau suivant. Niveau 6. Oh là là. Non, non, paradis, non. Voir le niveau. Alors, je commence ici. Ah, je peux pas zoomer plus. Il y a des barrières. Il y a quoi en plein milieu? Il y a un totem? Ils ont mis un totem, sérieux. Il y a pas de boost pour monter. Faut se débrouiller pour monter ça. Ensuite, on va là. Faut absolument prendre le boost pour monter ça. Tempo totem. De nouveau, il y a des barrières aussi. Et là, ça, ça tourne. Enfin, faut se débrouiller pour rentrer dans la courbure du truc, faire un saut. Peut-être réussir avec la vitesse skipper les deux rouleaux. Ensuite, après il y a des angles, donc on peut prendre le boost. Celui-là peut-être pas, j'ai peur de passer au-dessus ensuite. Là de nouveau, faut se débrouiller pour avoir de la vitesse, pour passer au-dessus du rouleau. Prendre le boost
pour aller à l'angle et se débrouiller d'y aller tranquillement ensuite. Il n'y a pas de barrière hein, sur la fin, c'est ça. Ouais, il faut monter. Il n'y a pas de saut, c'est directement dedans. Et après, c'est aller jusqu'à la fin. Okay. On va galérer. Hein. Totem, il m'embête. Juste pour me faire retourner. Quoi. Stop. J'ai dit que celui-là, on le prenait ou pas? Oui. Ouais, on peut le prendre en faisant gaffe. Et là... Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Je pensais pas que c'était aussi grand ce rouleau. Donc, si je fais ça, je fonce... Ah, punaise! Comment je peux faire là pour passer? Je pense que c'est ça la grande difficulté du niveau, c'est comment passer le rouleau. Ouais, parce que là, avec la vitesse... Oh là là! Comment passer le rouleau? Et là il va... Eh oui, mais là il tourne en sens inverse. C'est pas drôle sinon. Ça passe. Et je voulais pas forcément prendre le boost. Bon, c'est passé, je suis arrivé où du coup? Juste après le deuxième rouleau. Okay. Ok. Ok. Stop. Pas de boost. Stop. Pas forcément de boost non plus, j'ai pas envie. Ouais, je fais bien, je pense. Y'a pas de boost, alors on y va tranquille. Là, y'a un rouleau, c'est ça. Un rouleau, mais il y a un grand espace par contre. Je peux pas me rater. Il va falloir que je rebondisse absolument sur le rouleau. Ok. Stop. Stop. Pas le droit à l'erreur. Voilà. Niveau 7. Oh punaise. Alors, on voit le niveau. Je suis dans la tour gigantesque là-bas. Et je peux pas zoomer. Du départ de la tour, j'ai un petit saut à faire. Il y a du volume. Je descends. La pente est pentue. Il y a un petit saut à faire pour aller dans le bobsleigh. Que j'ai l'impression qu'il y a des rebords des deux côtés. Bobsleigh tranquillement, en montée en plus. Ensuite, on sort du bobsleigh, on va sur le vert. Le vert. Oh là là. Déjà, se maintenir sur le vert, ça va être tendu. Et après, difficulté supplémentaire. Prendre le boost qui est légèrement en virage. Qui va me faire monter assez haut pour ralentir correctement et ne pas rater l'entrée du portail. Wow! La difficulté est principalement sur la fin. Bobsleigh. Ah non, c'est pas bobsleigh, c'est la tour d'abord. D'abord la tour. Ready? Go! Rattrapage. Il y a qu'une minute. Ah mais attendez, mais en plus ils nous foutent des... Oh. Comme si ça suffisait pas, il fallait qu'ils rajoutent des obstacles dans le bobsleigh quoi.
sérieux. Peut-être prendre Gon Gon. Je suis pas sûr de moi, mais je pense que Gon Gon pourrait se rattraper plus facilement. Ah, je peux. Ah, ils ont mis un tremplin sur la fin. Et oui, mais le machin il me pousse. Ça va trop vite. Je fais même pas la moitié du trajet. Il me reste 20 secondes sur la fin. Bon, je peux skipper, je pense, une petite partie de la tour. Enfin, toute la tour, en fait. Il faut juste pas plus. Genre là. Ouais. Ouais, ça c'est un peu nul. Je passe entre les deux. Hein. Pas mal ça. J'arrive pas à calculer parce que je vois pas avec la caméra. J'arrive au premier virage du machin. Ah, ça c'est dommage d'avoir pris le rebord. Ah oui, bah là j'ai rien pris du tout, je suis tombé. Je fais encore les 3 vies avec ce personnage et je pense qu'après je passe sur Gon Gon. Voilà, voilà, voilà. Il y en a sur tout le trajet, sinon c'est pas drôle. Punaise. J'arrive même pas à la première petite personne verte. Ouais, non, ça compte pas, c'est de la triche. Oui. Non. La boule qui m'a bousculé, quoi. Bon, on va passer sur Gon Gon, j'avais dit. J'ai fait le niveau bonus ici ou pas? Je m'en souviens pas. Juste par curiosité. Pourquoi il m'aime avec le boss, il a pas été fait? Pourquoi il met mes points d'interrogation? Le boss il était fait là vu qu'il y a un temps dessus. Attendez. Il a pareil. Mais il y a quand même un temps dessus. Bon, je sais pas. Je voulais changer de personnage. Tenter Gon Gon. Je pense pas que c'est la meilleure idée, mais bon. J'en suis là. Là. Non, j'en suis au 7. Il meurt. 7, 8 et boss. 7, 8 et boss. Allez. Ouais, je sais pas si je peux dire qu'il y a du mieux ou pas. Vu que le niveau, il y a eu plusieurs failles. Je sais pas si c'est... Ah, il passe pas entre lui. Ah, il y a quelque chose d'intéressant, je crois.
on avance, on attend, on s'accroche, on attend, on avance, 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 je l'ai pris, je l'ai... Bon, je suis arrivé à la plateforme verte, première plateforme verte. Autrement dit, j'ai fait un tiers du niveau, quoi. C'est horrible. On se rattrape. 1, 2, 3. Petite panique. Oui, continue. C'est dégueulasse. Help. Je crois que ce niveau va poser problème. Mais complètement. Wow. Voilà, trop. Ça monte en plus. Non. Non. Oh, je suis arrivé pas. Ah, oh. C'était pas mal là. C'était pas mal, hein, en vrai. Ah si, il peut passer entre. Ok. Continue.
Voilà. Pas se planter. Ne pas se planter, j'ai dit. Sur la fin. Oh punaise, j'ai paniqué sur la fin. C'est passé. Yes. Dernier niveau. Non, paradis, non. Paradis, non, 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 non. Analysez le niveau. Je suis où? Départ, il est là. Petite pente. Sans barrière. Encore plus petite pente. Sans barrière. Cercle. Oh là là. Sauter au centre. Faut aller au centre du cercle. Et après, faut se débrouiller pour rebondir. Et forcément que c'est des boules à ressort. Sinon, ça sera pas drôle. Il y a des barrières. Ouais, il y a des barrières sur la petite plateforme centrale. Après, de nouveau, pas de barrières. Et après, faut se débrouiller pour soit laisser faire, soit rebondir. Ça rebondit. Ouais, ok, ça rebondit bien même. D'accord. Oh! Ok, je peux aller directement au centre. Et là? Bah, c'est tout, c'était tout. Voilà, c'est niveau terminé. Tout simplement. Allez, boss. Final. Boss final. Faut lui taper les fesses. Ah, gros gros. Toute petite. La plateforme est petite. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai eu le temps de rien faire, il m'a déjà éjecté, quoi. Tu peux me laisser le temps de faire quelque chose, le pirate, s'il te plaît? Ouais, de ce genre-là. J'ai réussi à la sauter une fois, c'est pas mal. Bon, au final, le niveau qui m'aura plus posé le problème dans l'espace, c'était le labyrinthe. Vraiment pas que j'aille au centre. Je dois absolument pas aller au centre, je rebondis sur lui. Ok. Il y a une chose que j'ai compris. Ok, c'est pas mal. Ok, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Oui, d'accord. Et maintenant? Le 2. Il y a bobo aux fesses, hein. Maintenant. Oh là, et oh. 3. Faut le taper 7, 6 fois. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait là? Faut que je reste dans son dos. Et d'un. Ok, d'accord. Très bien. Sauter. Attends. Taper. Reculer, reculer, reculer. Attends. J'arrive à passer dans son dos. Ah voilà. Et là, il m'a mis un petit coup de pince. Il m'a juste bousculé. Non, j'ai dit taper. J'ai pas réussi. Ah, D'accord, il change de pattern direct. C'est deux tours. Et quoi qu'il arrive, après, il vient me cracher dessus. Bon.
c'est un tour. Là, faut que j'arrive à le taper maintenant. Okay. Deux tours. Faut absolument que j'arrive à rester derrière lui. Mais c'est compliqué. Maintenant. Et lui. Il va faire la même chose. J'ai pas compris ce qu'il a fait exactement. Là il m'engueule. Je passe derrière lui. J'arrive à passer derrière lui. Il va me taper. Oh, je suis passé derrière. Allez, le petit 3. Là faut que je reste derrière lui. Ah, oh, punaise, à la force. Centrifuge parce que j'ai les... j'ai pas le temps de me mettre sur le plateau parce que déjà t'es en position toi. D'accord. Et d'un. Je me prends sa pince. Au secours. J'ai envie d'éterminer tout à l'heure. C'est le boss final hein, pour ceux qui débarquent. Quand même, c'est pas trop tôt. Allez, on continue. Les fesses. Non, pas les fesses. Allez. Je passe derrière lui. Il faut que je passe derrière lui. Oui. Les petites fesses. Allez. On va plus mettre ça. Qu'est-ce qu'il fait? Le truc, c'est que je vois pas l'intérêt de prendre un autre personnage. J'ai besoin d'avoir du poids là. Parce que sinon, je me fais éjecter encore plus vite. Je pense. Comment j'ai fait tout à l'heure? Je saute une fois, j'ai réussi à le taper. Comment j'ai fait? Sauter, avancer, taper. Voilà. On attend. 1, 2, 3, 4. On attend. Ne pas sauter! Fallait pas sauter à ce moment-là, justement. Faut pas sauter à ce moment-là. Là, faut que j'attende. Sauter, avancer, taper. Reculer. Attendre. 1, 2, 3, 4. Ne rien faire. Sauter. Non, pas maintenant. Sauter. Punaise, j'étais trop près de lui. J'étais trop près de lui. C'était rien faire. Reculer. Ah là là. On recommence. Attendre. Sauter. Avancer. Taper. Reculer. Attendre. 1, 2, 3. 4, on attend. Ah non, il a changé le pattern. Oh, punaise. On attend. On saute, on avance, on tape. On recule. Ok, si tu veux. On attend, on saute, on avance. On tape. On hop, doucement, doucement, doucement. On attend. 1, 2, 3, 4. On recule. On a. Mais la pince, quoi! Y'a pas moyen de rester sous lui en plus. 1, hein.
2, 3, 4. Je me décale un peu, je pense. Et je reste pas sur le plateau. Je suis arrivé à lui mettre 50%. Comment est-ce que j'ai fait? Alors pas comme ça déjà. Ok. Et 2-2. Là, il attend. Doucement, 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 doucement. Voilà. Je passe, je fonce, je tape les fesses. Je recule. Doucement. Je recule, mais doucement. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? 1, 2, 3, 4. Je vais aller de l'autre côté. Je sais pas, j'avais envie. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Je tape les fesses. 3 fois. 50%. Là il est peu, il grou là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a gueulé dessus, il a sauté. Là j'ai... Voilà, c'est à partir de là que... Bon, de toute manière... Je... Oh là oui, mince, il a commencé. Et d'une. Un, deux, trois, quatre. On va sur la gauche. Peut-être pas en fait. Ah d'accord, maintenant il a décidé de refaire ça. On tape les fesses. Doucement, 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 doucement. Tape les fesses. 1, 2, 3, 4. Sur la gauche. On avance, on tape, on recule. J'ai dit on recule mais doucement. 1, 2, 3, 4. On avance, on avance. Il tape, je m'avance vers lui, je tape les fesses, je recule. 1, 2, 3, 4. Je vais de l'autre côté. Ou pas. Oh punaise, mais maintenant il fait le tourniquet quoi. Pour diluer le sel. Tu serais pire que moi sur ça. Tu serais pire que moi. Oh là là. Avancer, taper. Je l'ai raté. Ok, mourir. J'aurais déjà fini le jeu. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Je peux pas faire la même chose tout le temps, histoire que je puisse savoir où est-ce que je me place.
Et là il va, il refait la chose dans le même sens. Tout à l'heure il tourne et là il... Je vais où? Qu'est-ce que je fais? Nul, je fais rien du tout en fait. Et là, pourquoi il va dans le même sens? Ça fait 10 fois qu'il change de sens, et là, il faut qu'il... Bon, hein. Voilà. C'est parce qu'il y a un mouvement que je dois faire qui fait qu'il repasse en tournant. Je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Voilà, et là je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est de 4, j'ai jamais été aussi loin. Et il balance des choses après, j'ai vu qu'il a lancé des boules laser. Il a lancé des boules laser après. Bon, je l'ai tapé 4 fois. Il me pousse, c'est le petit coup de pince là, il le fait même pas exprès en plus. Punaise. Continue.
Pourquoi j'ai sauté? Pourquoi j'ai sauté? Il enlève le petit rebord juste après. Le rebord qui me permet de revenir là, l'espèce de relief. Il enlève. Derrière lui à ce moment là voilà, c'était n'importe quoi hein. À quel moment tu préviens que tu changes ton pattern, mec? C'est pas normal. On est sur du jeu qui est... c'est du par cœur. Pourquoi tu changes ton pattern?
Et voilà. Ça, c'est gratuit, ça. Ça, c'est gratuit, quoi. Le dernier coup de pince saute en prévision de te manger un coup, au pire, colle-toi au bord. Ouais, jusqu'au moment où il n'y a plus les bords, justement. Là, le truc qui vient de me mettre, là, c'est juste des... C'est dégueulasse. Et là, il refait le tourniquet. Comment j'ai réussi à l'esquiver, ça, tout à l'heure. Après le coup 3, il gueule. Il écarte les bras. Comment est-ce que j'ai réussi à l'esquiver? Ou alors, faut que je reste au centre de lui. Et du coup, je sois bien en face de lui. Derrière lui, mais c'est... ouais, mais j'arrive pas. Essaye, hein. Tourniquet. Là, il va gueuler. Et je suis derrière lui. Je suis pas derrière lui et je me prends la force. Là, c'est juste moi qui suis tombé. C'est même pas. Il m'a mis un coup ou quoi que ce soit. Voilà, mais là il écarte les bras en fait. Je pense qu'il faut vraiment que je reste au centre de lui. Je suis tourné à gauche et c'est tout. Hein? À gauche? Comment ça à gauche? Du coup j'étais lui et je suis tombé. À gauche? Il me demande si je vais mettre plus de temps sur ce boss.
sur le boss 3 qui m'avait posé beaucoup de problèmes. Le boss du monde 3, il était super difficile. Enfin, le boss en lui-même, non. Le trajet du Wario boss, ça par contre. Et voilà. Et là, parce que j'ai pas avancé, je me prends le coup. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je suis resté au centre de lui, c'est passé. Et là, il me met le coup de pince. Ok, je reste au centre de lui et après, je passe derrière. Bon, déjà, faut réussir à revenir à cette étape-là. On va gagner. Et non, ça a sauté au timing quand il a relâché les pinces. Ça c'était un peu idiot de ma part ça. N'importe quoi. Il casse une sorte d'orbe qu'il fait exploser et t'as sauté pile poil quand il avait fait du poil. Même une onde de choc en fait. Thank you.
Mais pourquoi? Niqué, punaise, quelle arnaque. Être en face de lui, en face de lui, en face de lui. Et là, tourniquet dans l'autre sens, tourniquet dans l'autre sens, tourniquet dans l'autre sens, pas tourniquet dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis perdu. Il tape 4 coups. Ah, l'orbe. Oh! Bon, après le troisième coup, je me mets en face de lui, mais je ne saute pas, je reste au sol. Ensuite, il fait un tourniquet, mais dans l'autre sens. Et après, il faut passer derrière lui. Quelle arnaque! Allez, on poursuit. C'est son coude que je me prends. Retourniquet, t'es sérieux? Oh,
N'importe quoi là. Ça fait une demi-heure, un peu plus, qu'on est sur le boss. J'aurais pas pu faire plus difficile. En face de lui, ne pas bouger. Et maintenant. Et là, il me met le coup de pince de la mort, quoi. C'est ça qui m'handicape, c'est juste qu'il me pousse en vrai. Ok. Ah bon, quand même. Avancer. Ah, tourniquet au final. Il change. En face de lui. Là, il saute. Et là, le coup de pince. Tourniquet. Coup de fesse. Qu'est-ce qu'il fait ? En face de lui. Non. Non. 5. Oh punaise, il y a 7 coups à mettre. Il n'y en a pas 6, il y en a 7. Oh punaise. J'ai pas pris d'y rejouer à Monkey Ball, je vous dis. Ready,
Pourquoi la force... J'avais le joystick vers le haut, pourquoi est-ce que la force m'a poussé, Maintenant c'est galère. Voilà. Oh punaise. J'en ai marre. Je perds tous mes réflexes. C'est vraiment... Faut... Quand je me dis que je vais jouer à tel ou tel truc, faut m'en empêcher les gens. Dites-moi plutôt, est-ce que t'es sûr que tu vas jouer à ça? Est-ce que t'es bien renseigné sur le type de jeu? Parce que autant sur les jeux indés, je me renseigne beaucoup, parce que les jeux indés, je les mets quand même... On les met pas mal en avant avec l'assaut. Mais autant le jeu rétro, je me renseigne pas forcément dessus parce que je veux pas forcément me spoil sur des trucs parce que j'en ai des vagues souvenirs. Mais non, non, dans ce cas-là, il faut me pousser à dire non, non, renseigne-toi quand même avant, on sait jamais. C'est ça, voilà. Je vais revoir toute la liste des jeux. Potentiellement à faire. Il y en a, hein, il y en a pas mal. Mais il y a des choses qui vont être pas mal modifiées, je pense. Allez! Ah, au centre.
fallait que je sois au contraire entre ces pinces. J'arrive même plus à le taper les deux premiers coups. C'est insupportable, hein. J'ai jusqu'à 18h, donc en 10 minutes encore. S'il passe, tant mieux. S'il passe pas, bah il passe pas. Voilà, là il fallait bien aller entre ces pinces. Et je me... J'ai pas tourné, j'aurais dû tourner. Entre les pinces. Ok, maintenant je tourne. Ah, c'était dans l'autre sens. Non, je sais pas. Non, c'est bon là. Qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Et maintenant? Non, l'orbe. Qu'est-ce qu'il fait? Entre les pinces. Ah non. Oui, je sais pas, j'en sais rien. Entre les pinces. Je crois que le jeu m'a entendu en disant jusqu'à 18h j'arrête quoi. Oh punaise, oui. Comment ça suite? C'est pas fini? Non, cinématique, ça va. D'accord, les bananes c'était en fait la... Comment on appelle ça? La roue du... Ça porte un nom cet objet là. Je sais plus. Truc de navigation. On a piqué le vaisseau du coup, du pirate. Ok. Tout le monde il est heureux, tout le monde il est beau. Et on rentre sur nos terres. C'est pas Monkey Ball. Je laisse les crédits. Parce que je sais qu'il faut que je vous montre un truc après sur le jeu.
Mais yes, enfin, mon dieu, du coup, mon Super Monkey Ball aura été terminé sur IVA Sound Studio. Ah, c'était pas gagné, hein. C'était vraiment pas gagné. Bon. Je suis content de ça. Enfin. Après un stream dessus samedi dernier et de nouveau aujourd'hui. Du coup, en deux streams, il aura été fait. Mais avec beaucoup de difficultés sur certains trucs très spécifiques. Le boss du monde 3 a posé problème. Le niveau 2 du monde 7 a posé problème, de la lave. Et le boss final a quand même posé quelques problèmes. Le reste, il y a eu plusieurs tries sur beaucoup de choses, mais ça n'a pas posé autant de problèmes. Donc un gros jeu de patience, surtout de patience, de réflexe, de dextérité. Donc ça, clairement, c'est ce qui me manquait le plus souvent, hein, même sur les Mario. Je suis très content d'avoir fini le jeu. De l'avoir fait au final, je sais pas. Mais il restait intéressant quand même. Donc Super Monkey Ball Banana Blitz HD, réédition sur Switch, du jeu qui avait eu lieu sur, qui était sorti sur Wii, qui est lui-même l'épisode je sais plus combien, parce que c'est toute une série à Monkey Ball. À l'origine, il est sorti sur arcade. Il est sorti sur arcade tard en plus. On en a parlé la dernière fois, il est sorti en 2001 ou 2002 sur arcade. Donc des jeux arcade qui sont sortis dans les années 2000, avec des nouvelles licences, c'est très rare. Mais il fallait le souligner. Le temps que les crédits défilent, hein, parce qu'on va blablater après, pensez à faire votre petite contribution sur le crowdfunding, la campagne. Il reste très très peu de temps là. Donc même si c'est 1€, ça reste 1€ de prix. Hein. Donc parlez-en autour de vous aussi. C'est hyper important, ça permettra de soutenir l'assaut dû à la crise. Hein. On a fait la campagne relativement tard, mais on voulait pas la faire pendant les confinements non plus. Et puis ça nous permet de mieux préparer la saison qui arrive pour plein de choses déjà. Et vraiment ça permettra de faire fonctionner l'association quelques mois de plus. Jusqu'à au moins la reprise concrète des missions de terrain à partir de l'automne et on l'espère l'hiver et printemps aussi qu'on aura pas mal de choses. Qu'on reprenne comme avant quoi. Parce que bon, la crise Covid nous a mis dans le mal. Il y aura d'autres choses hein, qui arrivent de manière beaucoup plus bénévole. Des programmes radio, même si la radio est filmée aujourd'hui, ça reste des programmes radio, des émissions qui auront lieu directement sur Twitch, en stream. Le stream de jeux vidéo va continuer aussi, bien entendu. Des vidéos sortiront directement sur YouTube. Il y a des formats qui sortiront directement sur YouTube. Diffusion sur Twitch aussi, mais ça sera pas du direct. Mais il y aura du format un peu comme les vidéos de présentation de l'asso sur les présentations générales, la campagne, les ateliers, les jeux vidéo et la radio. C'était plusieurs mini vidéos. Mais il y aura, voilà, ce format-là va revenir. Ça, c'est clair. En à peu près la même durée, sur d'autres choses en plus long, ça dépendra. Mais ça va revenir. Voilà. Pensez à suivre sur Twitch, à vous abonner sur Twitch si vous pouvez, avec Prime si vous avez envie. Rejoignez le Discord, bien entendu, c'est là où on est le plus actif. On poste plein de choses, il y a des bons plans jeux vidéo à récupérer toutes les semaines. Dès qu'on sait à quel endroit il faut récupérer des jeux vidéo gratuits, que vous récupérez gratuitement, pour économiser plein de sous. Là par exemple, cette semaine, il y a une dizaine de jeux qu'on a, parce qu'on est en début du mois, c'est normal. Mais sur différentes plateformes, il y a des plateformes qui vous offrent les jeux gratuitement que vous gardez à vie. Ça vous permet d'économiser beaucoup de sous. Là, cette semaine, si vous récupérez les jeux gratuits du moment, vous économisez à peu près 100€, quoi, ce qui n'est pas négligeable. Donc allez jeter un oeil. On pose de la musique, bien sûr. On blablate actualité, on débat. Et c'est là où on s'inscrit aussi pour les mardis soirs, les mardis Vincent, bien entendu. Les jeux en commun avec vous du mardi soir. Félicitations, tu as terminé le monde 8. Le monde 9 est désormais accessible et tu peux désormais jouer Sonic dans le jeu principal. Il y a un monde 9. Il va y avoir un autre stream Monkey Ball, je suis désolé. Il va y avoir un autre stream Monkey Ball. Oh punaise, il y a un monde 9. Oh là là. On peut jouer Sonic, mais il y a un monde neuf. Mais le monde neuf, faudra attendre. Désolé, mais on va pas le faire aujourd'hui. Et on peut jouer Sonic. Sonic, c'est quoi ses caractéristiques? Beaucoup de vitesse,
Oh, oula, ah oui. Ah ouais, il a des stats intéressantes. Eh bien, faudra attendre la prochaine fois, du coup, il y aura de nouveau un stream Monkey Ball. Dommage. Je pensais qu'il n'y en aurait pas d'autres, mais en fait, si, il y en aura un autre. Au moins pour terminer ça. Et je voulais montrer... Alors, contre la montre, c'est écrit dessus. Hein. Faut aller jusqu'au bout du niveau. Décathlon, c'est en ligne. Il y a des mini-jeux. Et je voulais faire 2-3 mini-jeux avant de partir. Ce mode te permet de jouer à 10 mini-jeux. On va voir ce que ça donne. Vu que j'ai absolument pas touché à ça. Juste par curiosité, savoir ce que c'est. Quoi ? Je peux pas ? Appuie sur X une fois... Ah, oui. Non, je vais y jouer en solo. Alors, on a quoi ? Boule à bascule. Fais rouler la balle et mène-la jusqu'au but. Élimine autant d'ennemis. Attaque du sein spatial. Lance la balle et touche la cible. Parcours dangereux. Course d'obstacles. Lancer de marteau. Course d'overcraft. Snowboard singe. Cible singe, chasse à la tête. On va essayer. On va essayer, on va faire ça un petit peu là tranquillement. Facile, normal ou difficile? En facile, hein, bien sûr. On va jouer en facile. Quand même. Voir un peu ce que c'est ça. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Okay. Ah d'accord, je contrôle les barrières. Je contrôle pas le singe, je contrôle les... D'accord. Je contrôle pas le singe, je contrôle les barrières. Enfin les barrières, les plateformes. Raté. C'était facile. Hein. C'était du facile. Pas regarder les contrôles quoi. Ready, go. Ok, on est sur un shoot 'em up. Tout ce qu'il y a de plus classique et rétro, hein, super arcade. D'accord. Que là ça va. Ah, il y a quand même des choses sympas finalement dans les bonus du jeu. Au boss. Ah, j'ai pris un tir. Je peux pas les esquiver ça. J'ai pas un pouvoir ou quelque chose. Non. Mais... Wow. Bon, j'ai mis le feu au grand vaisseau, c'est pas mal hein. Dommage. C'est pas mal. Ensuite, on a quoi? Lance la balle et touche la cible. Tire la balle vers l'arrière, lance. Ready? Ah, d'accord. Ah ouais, mais pour contrôler, bonjour quoi. Oh là. Ouais. J'aimerais bien toucher les ballons. C'est horrible.
j'arrive plus à rien. Ouais, 10 points. C'est injouable. C'est injouable. Je veux toucher le ballon. 30 points, c'est tout. Je peux taper que 10 barils. Parcours dangereux. Oula, déplacer la boule. Facile, oui, en facile, oui. Oh punaise, d'accord, c'est dans le sens tiré. Ah ok, d'accord. Oh, oh là là. Et j'ai un timer à l'envers en plus. Non. Ralenti. Et pouf. Ok. Bon, on voit le principe. Hein. On voit le principe. C'est juste pour voir ce que c'est, hein, tous ces mini-jeux. On va pas tryhard dessus, clairement pas. On a quoi? Course d'obstacles. Cours vers l'arrivée en sautant par-dessus les... Courir LR. LR pour courir? Ah d'accord, faut les marteler en fait. D'accord. J'ai même pas sauté là. Ouais, faut vraiment les marteler. Si je laisse appuyer, ça fait rien. Si je fais ça, ça fait rien. Ouais non, faut les marteler. D'accord. Nouveau record en étant dernier. Lancer du marteau. Fais tournoyer le marteau et lance-le le plus loin possible. Remonter le marteau, ramasser la chaîne. Ready? Go! Comment ça hors champ? Je l'ai même pas lâché. Mais d'où hors champ? Je l'ai pas lâché. Oula, ça va pas aller bien loin ça. Voilà. À la limite en plus. Et dernier tir. Oula. Pareil. Bon, y a que le deuxième tir qui était sympa. Ok, ça c'est rigolo ça. Course d'Overcraft, récupère les drapeaux en fonçant sur eux. Avancer et reculer. Ah, c'est les deux en même temps. Avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche. Oh mon dieu, cette combinaison! Ah oui, d'accord, on est vraiment sur le type overboard quoi. Ok. Et je vais où? Faut que je les récupère. J'en ai aucun. Mais c'est horrible à conduire. Et d'un. Oui, non, je suis passé à côté.
et de 0. Oh punaise. Allez, raté. Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de collision. Et de 0. Ça va mettre 30 ans pour avoir 8 drapeaux. Non, encore à côté, sérieux? Non, sérieux? Ah quand même. On passe à lui là-bas. Ou pas. Bonhomme de neige qui va me gêner. Voilà, allez, plus que 4. Plus que 4. Voilà, allez, 3. Je crois que je tiens un truc. Ou pas. Voilà. Allez, lui. On dirait du F0 derrière en musique. Non! Oui. Ah. Et voilà. C'était super long. On a quoi? Snowboard singe, glisse sur la piste de neige et fait la course. Accélérer, ralentir, tourner à... Ouais, c'est juste joystick et... Oui, en facile, oui, oui. Seconde, laissez-moi passer. C'est super difficile. Ok, les bananes. Les bananes. Accélère. Il y a 4e. Pas mal cette descente. Attention les bonhommes de neige. Et voilà. Pardon, je passe. Ah, t'as voulu sauter toi. D'accord. On passe entre. Ça passe entre. Oh, c'est même pas passé entre. C'est horrible. Allez. Oula, oh là là. Ah, il y a eu des soucis là en plein milieu. C'est bon, je suis pas dernier.
Non. Je vais me faire rattraper. Cours, petit singe. Bah non, surf. Ou snow, je sais pas comment on dit. Snowboard, surf dame, si c'est surf. Voilà. Je vais me faire passer devant. Et deuxième en étant tombé à maintes reprises. Cible singe, fais atterrir la boule au centre de la cible. Changer la direction de la balle, ouvrir la boule du singe. Fermez. Ouvrir la boule du singe. Oh bon, oh bon, oh bon. Ready? Go! Je suis censé aller où là? Oh punaise, d'accord, faut jouer avec les courants. D'accord. Oh, j'arrive juste au bord de ça quoi. Non, va là-bas. Yes. C'est pas mal ça. Ah, c'est pas fini. Non, j'ai raté le bord. La cible. Allez. Et raté. Hopi. 90. Pourquoi? Juste 90 de bananes? Mais je suis tombé sur la cible tout à l'heure, ça a pas... Bon, j'ai pas tout compris. Tape sur les tops qui sortent avec leur tête. Ok, c'est du... Déplacer le marteau, donner un coup de marteau. Ouais, c'est juste des mini-jeux de fête foraine, quoi. Ready? Go! J'en ai zéro. Oh là là, la galère. Oh, 900... Ah, 950. Pas mal. Voilà pour ces 10 mini-jeux. J'étais curieux de voir ça. C'est pas mal. Bon, il y aura un nouveau stream, Monkey Ball. Dommage. Probablement avec Sonic. Dans le monde, marée profond. Par curiosité, combien il y a de niveaux? 9 niveaux et un niveau bonus. Pas de boss. Je ne sais pas ce que ça peut nous réserver. Mais du coup, bah oui. Il y aura... Oui, on va retrouver ça. C'était le dernier stream de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ce qui est sûr et certain... Alors, le planning n'est pas défini, mais ce qui est sûr et certain, c'est que mardi soir, on se retrouve comme tous les mardis soirs.
un mardi bas sound pour jouer tous ensemble en communauté avec vous. Donc laissez un petit message sur le canal Discord mardi bas sound pour dire que vous voulez jouer avec nous. Je sais pas encore à quoi, mais dans tous les cas c'est directement sur navigateur. Donc ça vous coûtera que rien du tout en fait, à part votre connexion internet. Donc, voilà, il n'y a pas de jeu à acheter. On retrouvera la semaine prochaine du Mario Golf, du Monkey Ball, et le reste on verra. On pourra vous tenir au courant dimanche soir, lundi matin, les plannings seront définis. Et bien sûr, si, très très important, samedi prochain, c'est la clôture de la campagne. Donc on va se retrouver pour un gros stream, alors ce sera pas 30 heures de stream, mais ça sera un gros stream avec plein de choses. On va papoter, mais on va jouer tous ensemble aussi. Donc soyez au rendez-vous samedi prochain, dernier jour de la campagne, donc allez-y, faites votre petit don, même si c'est que 1 euro, c'est toujours 1 euro tri, donc c'est important. Sur ce, je vous laisse, passer un bon début de soirée, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, cordialement bisous.